On va essayer d'aller trouver Harry Kane. J'ai pas l'impression qu'il y a des changements. Il n'y a pas de paillettes. Il y a des joueurs que tu aimerais voir. Tu m'as dit Payet par exemple. Payet, j'aimerais bien le voir. Moi, j'aurais aimé voir Under. J'aurais aimé, c'est un match pour lui. Ou Aminarit peut-être aussi. Bien sûr, Aminarit, j'allais y venir. Non, ben j'allais sûr. Y venir. Ils ont Harry, on a Harit. Personne ne l'arrête, personne ne l'arrit. Je l'aime beaucoup ce joueur. C'est ça. Franchement, ouais, ce serait intéressant de le voir. C'est ta Suarez. Allez, avec le ballon, regardez Guendouzi qui va venir presser très haut. On prend les mêmes et on recommence. Obligé Christian Romero à jouer rapidement. Oh là là, Rongier qui ne laisse pas sortir le ballon, ils n'arrivent pas. Attention avec Ekminson, Harry Kane. Attention, Harry Kane, Ekminson, attention, oh là là, ce ballon en profondeur. Il va vite. Scène de Jamel Debbouze qui a dit c'est trop calme, c'est bizarre, il va se passer quelque chose et ben c'est voilà, c'est tout est calme. Mbamba, non, Chancel Mbamba les amis, c'est qui la reçoit vitesse rouge. Qui a fait la différence, il est lent Mbamba, c'est flemme Mbamba, Gigot il est devant, c'est pas normal les gars. Et puis c'est ça, pas normal. Il y a zéro débat. Il y a zéro débat sur la faute. Il y a zéro débat, mais il y a Mbamba. Ah c'est ça malheureusement. C'est ça. Franchement, carton rouge pour Chancel Mbamba. Quelle erreur. Marcel qui va jouer à 10 contre 11. Et on peut même pas dire qu'il sauve l'équipe là. Il y avait pas but derrière. Aïe. Oh là là, c'est terrible. Horrible. Parce que l'Olympique de Marseille avait montré des choses intéressantes. Mais je crois qu'il en a pris un en Ligue 1, non? Les gars, il en a pas pris un en Ligue 1. Je crois pas, non? Peut-être. Je vais vérifier. Je crois qu'il en a eu un. Je vais vérifier. Ce serait assez fou quand même de prendre deux cartons rouges comme ça en l'espace d'un mois. Ouais, Chancel Mbamba, les amis. Aïe, coup dur, non, franchement, ça nous a refroidi. Il a pris un rouge. Non, il a pas pris de rouge, non. Non. C'est un deuxième jaune, là, ou c'est un rouge direct? C'est un rouge direct. Et sincèrement, on va pas se mentir, vu le tacle, c'est complètement mérité. Hein. Il y avait vraiment. Je suis désolé, c'est pas le tacle qui donne le rouge, c'est la règle du dernier défenseur. Voilà, oui, voilà. C'est les deux. Ce que je veux te dire, c'est le tacle en lui-même. Non, mais le tacle en lui-même, à aucun moment, il a touché le ballon, quoi. C'est ça que j'ai envie de te dire. Il a cisaillé avec Linson. Attention, Harry Kane. Attention. Là, ça serait injuste. Ce serait très, très dur. Ça serait terrible. Coup franc pour Tottenham, les amis, à l'entrée de la surface de réparation. Harry Kane a l'occasion de mettre l'OM à terre. Ce serait dur. A l'occasion de mettre KO. Un knockdown. Attention. Oh là là. C'est contré par le mur. La frappe derrière d'Harry Kane. C'est parfait, les gars. C'est qui parfait. Qui finalement passe à côté. Elle a été contrée par un joueur des Spurs. Le ballon reste dans les pieds des joueurs de Tottenham. C'était parfait. Tout allait bien. On était heureux. On le disait à la mi-temps. C'est la première fois qu'on est heureux. On commente un match. On est heureux, Najib. À chaque fois qu'on commente avec Momo, c'est tout le temps la même chose. J'ai l'impression, j'ai pas le droit d'être heureux. On n'a pas le droit au bonheur. C'est ça. On finit triste. Une soirée. À chaque fois, c'est comme ça. J'ai l'impression qu'on n'a pas le droit d'être heureux, de vivre un moment. Voilà. Ça aurait été fou. Un but de Tottenham, ça aurait été fou. Non, on te demandait juste d'enlever la petite bouteille, voilà, okay. Hop. Et attention à ce centre, ça va donner un corner, les amis, pour Tottenham. Richarlison qui obtient ce corner. Corner pour les Spurs. Ça peut les mettre en confiance. Bah, bien ça sûr. Peut les motiver. On va regarder les cotes, ça a dû changer. L'OM à 14. Ah, l'OM à 14. Hein. C'est la daronne à lui 14, les gars. Tottenham à 1,35 et le match nul à 3,35. Aïe, et voilà, tout le plan. Gerson, on t'applaudit pas, je me lève pas. Ah, Gerson. Tu mérites pas d'ovation. Non. On t'a pas reconnu, Gerson, on te reconnaît pas ce soir. On t'a pas vu, Gerson. Il sort, Gerson, pour laisser rentrer Balerdi. Il joue une place en Coupe du Monde, c'est pas rien, Najib. C'est pas rien. Est-ce qu'il est vraiment dans la concurrence? Est-ce qu'il est vraiment motivé? C'est ma vraie question. Aussi. Attention au corner de Tottenham avec Heung-min Son qui va jouer court. Heung-min Son à nouveau. Il va pouvoir jouer en retrait, ballon dans les pieds des joueurs de Tottenham. Attention. Avec Højbjerg. Ça les a réveillés. Lointaine, elle est contrée cette tentative. Le ballon, attention, qui est récupéré par les joueurs de l'Olympique de Marseille. Ça va être dur, c'est un chantier. Je profite de l'arrêt qui se dresse devant les Marseillais. Je profite de l'arrêt de jeu. Est-ce que tu sais que c'est quoi la plus grosse qualité de Gerson à l'OM? Dis-moi. Il porte trop bien les survêtements. Sur la vie de sa mère, il travaille gratuit, c'est un mannequin. Il a un flow incroyable. Je te promets que Gerson, tu lui mets un sac poubelle, il pourrait le rendre beau. Je te promets, c'est incroyable. Vrai. C'est sa grande qualité. Moi, je l'ai vu au gala de l'OM, costard et tout. J'ai l'impression que c'est la cérémonie du ballon d'or. On dirait qu'il allait recevoir le ballon d'or. Il a un flow incroyable. Mais il ne suffit pas d'avoir du flow pour gagner les Tottenham. C'est ça. Il faut du courage.
Il en faudra du courage. Ah, ça va être dur. Faudra. Ça va vraiment être dur pour et les joueurs de l'Olympique de Marseille. C'est là le mental de l'OM. Ça va être c'est dur. C'est là. Ouais, surtout que là maintenant on va avoir une physionomie de match complètement différente où Tottenham forcément va avoir le ballon, va être dans le camp adverse, Marseille va devoir défendre. Là ils jouent en 5-3-1 à l'Olympique de Marseille. Attention, pas de risque. J'ai une stat aussi, bon après qu'en Ligue 1 parce que c'est le premier match de Ligue des Champions, l'OM a toujours ouvert le score. Tous les matchs de Ligue 1 pour d'accord, l'instant. Okay, magnifique. Ils ont toujours ouvert le score. Alors que tu sais que j'ai vu une statistique comme quoi Tottenham, je crois que sur leurs 5 derniers matchs en Ligue des Champions, ils n'ont pas ouvert le score justement. Incroyable. C'est incroyable. Si tu joins les c'est, deux, voilà, c'est les planètes. D'après le théorème du football, exactement. L'OM devrait marquer. Ce serait dingue ça. Mais c'est toujours possible. C'est toujours possible. Sur un corner, sur un coup franc. J'aime bien parce que tu crois encore. Bien c'est énergique. C'est pour ça que j'ai dit que les coups francs comme tout à l'heure, tu les mets rentrant, tu les mets but du zizi, but du sourcil. On s'en fout à ce niveau-là. C'est on ça. On a rien à foutre. Aïe, 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 aïe. Tiens, je vous pose une petite question sur le chat, les amis. Est-ce que le match vous plaît, tout simplement? Se poser la question à la mi-temps. Est-ce que, parce que je pense qu'il doit y avoir aussi des supporters neutres sur le chat. Est-ce que pour vous, voilà, alors qu'il y a un carton jaune qui a été distribué à un joueur de Tottenham à Heiberg, est-ce que vous vous faites chier? Est-ce que le match vous plaît? Voilà, dites-nous, vous nous mettez dites-nous, oui, les gars, non. Est-ce que c'est l'ennui? Est-ce que vous endormez devant le match? Est-ce que c'est un somnifère? Dites-nous. Voilà. Parce que pour moi, par exemple, je suis content du 0-0, je suis content du score. Donc pour moi, c'est un gros match. C'est ça. Mais on voulait savoir ce que vous en pensez. Exactement. Parce que c'est vrai que j'ai vu un petit peu des avis également sur Twitter, etc. Il y en a beaucoup qui s'ennuient. Voilà. T'as ouais. vu un peu ouais, j'en ai vu quelques-uns. Il y en a qui se font chier. Il n'y a pas assez d'occasions. Il s'est endormi là devant le match. Ah, tu fils. Vois ouais. Ça ne m'étonne pas. On le attend soir, des occasions. On ne le met pas devant les comptines le soir. Exactement. Hein, on le met devant l'OM. Exactement, exactement. Ballon dans les pieds des joueurs marseillais. Les amis, il va y avoir un coup franc intéressant. Et juste après, je vais vous poser la première question freebette. La première question freebette de la deuxième période. La deuxième question freebette. Il n'y en aura pas qu'une en deuxième mi-temps, les je gars. Je peux vous assurer qu'il y en aura pas. On était trop dans le match en première mi-temps, mais là, on exactement. Va se lâcher. Verrez on tout. Va se lâcher, on va verrez vous en tout. Offrir. C'est maintenant. Aïe, aïe, aïe. La tête à l'entrée de la surface de réparation qui n'est pas dangereuse. Ballon récupéré par les joueurs de Tottenham avec Hugo Lloris. Guendouzi, on aura besoin de toi, Rongier. On va relancer avec attention. Intraitable, Rongier, Guendouzi. Pas un ballon perdu. Ballon dans les pieds des joueurs marseillais avec Suarez. Suarez dégoûtant. Passement de jambes. C'est son dernier match. Hein, quand on sait qu'ils n'ont pas inscrit Bakambu, ils n'ont pas inscrit Bamba Dieng pour mettre Suarez. Et c'est comme ça que tu remercies ouais. Tudor, Suarez. Tu n'as pas honte, espèce de merguez. Sérieusement. Surtout que tu vois, il a jeté la bouteille la dernière fois. Mais c'est ça. Ouais. C'est ça, tu t'énerves quand tu rentres pas, mais quand tu rentres, tu fais rien. Arrête un petit peu. Exactement. Franchement. Ballon dans les pieds des joueurs de Marseillais ont très mal pris. Ah ouais. Ils l'ont très mal pris. On a des mecs comme Payet qui est vénéré chez nous, qui ça, accepte de chauffer le banc. Ça, c'est vrai. Et t'as le petit Suarez qu'on connaît pas, qui vient de je sais pas où, et qui s'énerve. On n'aime pas ça à Marseille. Ah ouais, ouais, ouais. Faut respecter son statut et essayer de gagner sa place sur le terrain. André Pierre Gignac, il a gagné sa place au bout de deux ans. Deux bien ans sûr, pour gagner sa sûr. Place. Attention, ballon récupéré par les Marseillais avec Guendouzi qui met son corps en opposition. C'est bien joué de sa part. On va pouvoir essayer de repartir ah, à l'avant. Là. Si ah, la en plus on perd les ballons, les gars, ça Eric va pas le faire. Trop de déchets techniques, des déchets nucléaires.